I just moved to New York City, guys. I love New York. By the way, the first time I went to, okay, the first time ever, vraiment, hein, que j'ai été à New York dans ma vie, je suis parti de Montréal avec le Chabad à Brooklyn pour voir le Rabbi. C'était la première fois de ma vie que j'allais à New York. And I went there. C'était incroyable. Yeah. Il y a une photo d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette photo. Il y a une photo qui m'ont ressorti. Chabad, ils ont tout. T'inquiète pas. Ils ont tout. D'ailleurs, tout à l'heure, il m'a dit, j'ai eu le Rav Raskin au téléphone hier. Il m'a dit, quand tu viens, on met les téfilines. Moi, j'ai dit, je vais essayer d'aller le plus tard possible parce que je sais que si je viens tard, à la tombée de la nuit, on ne peut pas mettre les téfilines. Il m'a dit, il faut venir à 6h30. Je me suis renseigné à quelle heure il y avait... Demain, je serai à Québec pour rencontrer le Premier ministre qui va me remettre une médaille. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais... Si jamais je peux lui dire, s'il me dit qu'est-ce que vous avez fait de spécial au Québec, je dirais j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai surtout mis les téfilines avec le Rav Raskin. Thank you so much. Merci, Rav Raskin. On applaudit bien fort Gad Elmaleh. Je voudrais remercier du fond du cœur à Gad Elmaleh et on voudrait lui remettre quelque chose de très particulier ce soir. Comme ça a été mentionné que ce mois, on célèbre 50 ans des miracles de la guerre de six jours. Il y a exactement 50 ans que le Rabbi de Lubavitch a dit, avant la guerre de six jours, il a dit qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il demande à tous les soldats de Tzahal de mettre les téfilines. Et il a cité un pasouk. Verao kolame haaretz kishem Hashem nikra alecha veyaru mimeka. Tous les nations vont voir le nom de Dieu sur toi, ils vont avoir peur de toi. Et grâce à cette campagne de tefillin, comme le Rabbi l'a mentionné, 2,5 millions d'habitants en Israël ont été sauvés grâce à cette campagne de tefillin. Alors ce soir, on voudrait offrir tout d'abord un cadre d'un soldat tzahal qui met les tefillin. Ça ira à New York dans l'appartement. Et on voudrait offrir ce soir une paire de téfilines à Gad Elmaleh. Merci. Alors, vous ne pouvez pas le voir de là où vous êtes, mais ils sont gravés à mon nom. Wow. Thank you so much. Merci infiniment. Et encore une fois, alors, je sais que vous voulez que je les mette tous les jours. Blineder. Et une dernière, comme Gad il a mentionné qu'il a été chez le Rabbi, alors on est parti chercher la photo à New York. On l'a eu ce matin, on a eu quelqu'un qui l'a mis en cadre et on l'a ce soir pour vous. Mais les amis, puisqu'on est là, que c'est une soirée unique, j'ai pas envie de simplement faire mon show, j'ai envie de vous parler de ce que symbolise Chabad et ce que ça a été pour moi quand j'étais petit. Vous pouvez imaginer dans la tête d'un gamin de Casablanca, de 5-6 ans, de voir débarquer des mecs comme le Rav Raskin et tous ses copains. À Casa, ils parlaient entre eux en yiddish, ils avaient des noms spéciaux. Mais qu'est-ce qu'on s'est éclaté? Il y avait des colonies de vacances. Il y avait son papa, le Rav Raskin, Zichrono Livracha, un personnage, un pilier de la communauté au Maroc. C'était une référence pour nous. Moi, je l'imitais. Quand j'étais petit, je n'arrêtais pas de l'imiter. Chaque juif a besoin de faire des mitzvot. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que chaque juif a besoin de faire des mitzvot, des bonnes actions. Chaque juif a besoin de faire des mitzvot. Il se fait un mitzvot dans le trône de Mashiach, il va venir des mitzvot post-fait. I was looking at him. Et on était là tous ensemble. À quelle heure il donne les pains au chocolat? On s'en fout, on va écouter, c'est pas grave. Et si on va me fondre, machin, ensemble, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. Et cette chanson, on l'a chantée en français, on l'a chantée en arabe, on l'a chantée en anglais.
Et c'était incroyable. Et j'ai un souvenir très très précis. Un jour, il y avait un camp, une colonie. Il y avait des jeux. Et puis moi, j'étais déjà le comique de la bande. Et je faisais des imitations du Rav Raskin à mes copains. Et un jour, j'étais dans le réfectoire après le déjeuner. Et je monte sur une chaise. Et il y avait tous mes copains qui étaient là. Et je commence à faire « Chaque juif a besoin de faire mes sports. » Et je vois un grand silence, les rires s'arrêtent. Je me retourne et je vois le Rav Raskin qui marche comme ça. Il me regarde et il me dit, si tu veux faire le comique, fais le comique. Même si tu te moques de moi, mais fais le mitzvot. Waouh! Il m'a scotché. Je suis redescendu de la chaise. Et j'ai continué mon chemin. C'est vraiment un truc incroyable. Et donc, ça m'a transporté. Le Chabad, je les ai rencontrés à travers le monde. Moi, je suis là, je lui dis, ouais, non, parce que je fais pas mal d'achats, j'achète des trucs sur Amazon, tu sais, tout ce qui est fashion, j'aime bien, j'achète la high-tech aussi, là, j'ai le dernier iPhone, le super iPhone 7, le super iPad 8, le Traversbourg, Rizlet. J'ouvre le package que je trouve, la Matzah Shmura qui m'a envoyé le Rabat Rassi. Ah, ce que je lui ai dit au Rav Raskin, je lui ai dit, tu sais ce que tu m'as fait, c'est, au foot, ça s'appelle une passe décisive. Tu m'as mis la balle pour que je puisse mettre un but. Et merci, Toda. Heureux d'être ici. Permettez-moi juste d'adresser encore une fois et très sincèrement et humblement au Rav Raskin et à sa famille les remerciements de permettre... de faire cette mitzvah aujourd'hui. Et on souhaite à tout le monde une bonne fête, Chag Sameach, et Kabbalat HaTorah b'Simcha u'b'Pnimiut, qu'on puisse recevoir la Torah avec joie, que ça pénètre en nous. Et peut-être, Gad, si vous vous rappelez le chant qu'on chantait au camp, peut-être la chanson Anima Amin. Anima Amin HaMashiach, Ani Ma'amin B'Emuna Shelem, HaMashiach, Chaque juif a besoin de faire une mitzvah. Attendez, attendez. Gad, il se rappelle de la chanson de Mashiach en arabe. Oui, on l'avait fait ensemble, ça, il y a très longtemps. Ça fait... Vas-y, on l'a fait ensemble. Merci infiniment, merci. Je vais quand même laisser le mot de la fin à Rabbi Raskin qui a sûrement des choses à vous dire. Madame Bitton, si vous voulez dire le mot de la fin, je peux, mais je vais vous laisser Rabbi Raskin le mot de la fin. Merci infiniment Gad Elmaleh, que Dieu vous protège, vous bénisse pour ce beau geste de ce soir et que Dieu vous garde toujours en forme pour faire rire les gens, qui est une grande mitzvah dans la Torah, rendre joyeux les personnes.